Bonjour à tous, c'est Aurélien de chez iForum et de la boutique hightechnews.fr. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une review du nouveau i9 3G. Donc niveau design, niveau accessoires, c'est exactement la même chose, même le niveau prix. Ce qui change, c'est juste le graphisme du téléphone, vous allez voir. Donc pour commencer, nouveau fond d'écran, nouvelle wallpaper. Donc, je vais voir. Donc toujours changement d'image. Donc on peut voir là l'heure en digital. Or dans les anciens, enfin dans les anciens, dans les autres modèles, l'heure est écrite normalement. Ouais. Donc après, niveau menu, on peut voir de nouveaux icônes. Voilà, donc 10 pages, comparé avec les autres. On peut voir la date. Voilà, les nouvelles icônes contrôlées. Donc dans celui-là il y a 9 pages, dans celui-là il y en a 10. Donc dans les 10 pages il y a de nouveaux icônes. Et on peut voir la différence, c'est que les pages se gardent dans le doigt. Dans le petit... Hop. Or dans celui-là, on fait ça et les pages changent toutes seules. Donc voilà. Il y a une autre grosse différence, c'est les menus. On va voir par exemple avec le menu réglage. Donc les menus, c'est fini. Voilà, on peut voir qu'ils sont... comparé avec l'autre. Voilà, il y a une petite modification. Donc voilà, c'était Aurélien pour www.iforum.fr et pour la boutique hightechnews.fr. Donc vous pouvez acheter ces mobiles sur www.i-tech-news.fr, une boutique française. Ces mobiles sont garantis 1 an, donc, et ils sont très fiables. Donc, plus d'informations sur ces mobiles, si vous en avez un, des tests, des tutoriaux, etc. sur www.iforum.fr et sur le blog sected.fr. Donc à la prochaine vidéo, au revoir.